Je voulais te demander. C'est un peu pour ça que je suis venu. Je voudrais savoir, que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as contre moi? Rien. Pourquoi? Je ne sais pas. Il me semble que tu t'éloignes. Tu ne fais plus jamais signe. Il faut toujours que ce soit moi. Tu sais bien, je prends rarement l'initiative. J'ai peur de déranger. Mais pas avec moi. Tu sais que je te le dirai. Nous ne sommes pas... Nous n'en sommes tout de même pas là. Non, je sens qu'il y a quelque chose. Mais que veux-tu qu'il y ait ? C'est justement ce que je me demande. Alors ? Alors que veux-tu que je te dise ? Si, dis-moi. Il y a quelque chose de changé. Tu étais toujours à une certaine distance de tout le monde, du reste. Et maintenant, avec moi, encore l'autre jour au téléphone, tu étais à l'autre bout du monde. Ça me fait de la peine, tu sais. Mais moi aussi, figure-toi. Ah, tu vois, j'ai donc raison. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort? Pourquoi ne veux-tu pas le dire? Il y a donc quelque chose. Non, vraiment rien, rien qu'on puisse dire. Il sait quand même. Non, je veux pas. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Non, ne me force pas. C'est donc si terrible. Non, pas terrible, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est alors? C'est plutôt que c'est rien, ce qui s'appelle... Rien. On appelle ainsi, on parlait seulement, évoquer ça, ça peut vous entraîner. De quoi on aurait l'air? Personne n'y aurait, personne ne l'ose, on n'entend jamais parler. Je me dis que ce n'est rien. Mais justement, c'est rien. C'est à cause de ce rien. Ah, on y arrive. C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné. Tu as voulu rompre avec moi. Tu comprendras jamais, personne n'y aurait pu comprendre. C'est toujours. Tu m'as dit... Il y a quelque temps, tu m'as dit que je me suis vanté de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quel succès ou dérisoire. Hein. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça. Répète-le, je t'en prie. J'ai du mal à entendre. Tu m'as dit, c'est bien ça. Hein? Juste avec ce suspense, cet accent. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas être ça. C'est pas possible. Tu vois ? Je l'avais bien dit, à quoi bon ? Non, vraiment. Ce n'est pas une plaisanterie ? Tu parles sérieusement ? Oui. Oui, très. Très sérieusement. Écoute, dis-moi si je rêve. Tu m'aurais fait part d'une réussite ? Quelle réussite d'ailleurs ? Oh, peu importe, une réussite quelconque. Et alors je t'aurais dit, c'est bien ça ? Pas tout à fait ainsi, entre... C'est bien, et ça, un intervalle plus grand, c'est bien, ça, hein? Un accent mis sur, bien, un étirement, bien, un suspens avant que ça arrive, mais c'est pas sans importance. Et ça, oui c'est le cas de le dire, c'est ça précédé d'un suspens t'a poussé à rompre. Oh, à rompre, non j'ai pas rompu, pas pour de bon, juste un peu d'éloignement. C'était pour toi une si belle occasion de laisser tomber, de ne plus jamais revoir un ami de toujours, un frère. Je te demande ce qui t'a retenu. C'est que c'est pas permis. On a découvert. Hein? Quoi? Qu'est-ce que je vais apprendre? On a su. Il m'est arrivé de rompre pour de bon avec des gens très proches. Pour des raisons que personne n'a pu comprendre. J'avais été condamné sur leur demande, par contumace, j'en savais rien. J'ai appris que j'avais un casier judiciaire où j'étais désigné comme... Celui qui rompt pour un oui ou pour un non. Ça m'a donné à réfléchir. Vraiment, c'est le cas de le dire, pour un oui ou pour un non. Parce que j'ai dit c'est bien ça. Oh pardon, je n'ai pas prononcé comme il fallait. C'est bien ça. Oui, de cette façon, tout à fait ainsi. Avec cet accent mis sur le bien, avec cet étirement, oui, je t'entends. Je te revois, c'est bien ça. J'ai rien dit, je pourrais jamais rien dire. Si, dis-le. Entre nous, voyons. Dis-le. Je pourrais peut-être comprendre, ça ne peut que nous faire du bien. Parce que tu comprends pas. Non, je le répète. Je l'ai sûrement dit en toute innocence. Je vais être pendu si je m'en souviens. J'ai dit ça quand, à propos de quoi? Ah, t'avais profité d'une imprudence. Je peux dire que j'étais cherché. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, j'y suis allé comme ça. Mais mains nues, sans défense, j'ai eu la riche idée d'aller me vanter. J'ai voulu me valoriser. J'ai été auprès de toi. Me targuer de je sais plus quel petit succès. J'ai essayé de grimper chez toi. J'ai voulu me hisser là-haut, dans ces régions où tu habites.
Et tu m'as soulevé par la peau du cou, tu m'as tenu dans ta main, tu m'as tourné, retourné, tu m'as laissé retomber en disant « C'est bien ça. » Ce que tu as senti dans cet accent mis sur bien, dans ce suspens, c'est qu'ils étaient ce qui se nomme condescendant. C'est entendu, il a voulu rompre avec un pareil ami, mais enfin, on peut invoquer cette impression qu'il a eue d'une certaine condescendance. Ah, tu la vois donc. Tu la reconnais. Je ne reconnais rien. Puisque tu veux que nous arrivions à nous comprendre, tu le veux toujours, n'est-ce pas? Bien sûr. Je te l'ai dit. Je suis venu pour ça. Alors, si tu veux bien, servons-nous de ce mot. Quel mot? Le mot condescendant. Admets, je t'en prie, même si tu ne le crois pas, que ça y était, oui, la condescendance. J'avais pas pensé à ce mot. J'y trouve jamais quand il le faut. Maintenant que je l'ai, permets-moi, je vais recommencer. Que je t'ai tendu un piège. Oh, attendu. J'exagère, j'ai exagéré. Il est probable que tu l'as pas tendu au départ. Mais après, quand t'as senti en moi le frémissement comme une nostalgie, un regret, tu t'es mis à déployer, à étaler comme tu fais toujours quand t'étales devant moi. Étaler ? Moi ? Est-ce que j'étale ? Est-ce que je me suis jamais vanté de quoi que ce soit? Te vanter, non! Quel balourdise! C'était bon pour moi! C'est moi qui suis allé me vanter, je suis un gros balourd auprès de toi. Je suis flatté. Je croyais que pour ce qui est des subtilités... Mais voyons, tu es bien plus subtil que moi. Mais comment? Comment plus subtil? Comment, dis-moi? Mais justement, quand tu présentes tes étalages, plus raffinés qu'ils soient, ce qui est parfait, c'est que ça n'a jamais l'air d'être là pour qu'on les regarde. C'est quelque chose qui se trouve être là, naturellement. Ça existe, c'est tout. C'est comme un lac, comme une montagne. Ça s'impose avec la même évidence. Assez de métaphores. Qu'est-ce qui s'impose? Le bonheur! Oui, les bonheurs, les bonheurs. Quel bonheur! Les plus appréciés, les mieux cotés. Les bonheurs que tous les pauvres bougs contemplent, nez collé aux vitrines. Figure-toi que ça m'arrive. Alors ça se voit, c'est tout. Non. Non, c'est pas tout. Absolument pas. Que vous deviez vous sentir heureux, Jeannine et toi, quand vous teniez devant moi un coup parfait, bras dessus, bras dessous, riant aux anges, ou bien vous regardant au fond des yeux, mais un petit coin de votre œil tourné vers moi. Un tout petit bout de regard détourné vers moi pour voir si je contemple. Tu étais jaloux. Ah, nous y sommes. C'est vrai. C'est bien ce que tu voulais. C'est ce que tu cherchais, que je sois jaloux. Et tout est là. Tout est là, il fallait que je le sois. Et je ne l'étais pas. J'étais content pour toi, pour vous. Et pour vous seulement. Pour moi, j'en voulais pas ce bonheur. Ni cru, ni cuit. J'étais pas jaloux. Pas jaloux. Non. Je ne t'enviais pas, mais comment est-ce possible? Ce ne sera donc pas le bonheur. Le vrai bonheur, connu partout, recherché par tous, le bonheur digne de tous les efforts, de tous les sacrifices, non, vraiment? Il y avait donc là-bas, caché au fond de la forêt, une petite princesse. Quelle forêt, quelle princesse? Tu divagues. Bien sûr, je divague. Écoutez-le, le plein délire, oui, quelle forêt. Ben oui, mes bonnes gens, la forêt, ce conte de fées où la reine interroge son miroir. Je suis la plus belle, dis-moi. Le miroir répond, oui, t'es belle, très belle, mais il y a là-bas, dans une cabane au fond de la forêt, une petite princesse encore plus belle. Et toi, tu es comme cette reine, tu supportes pas qu'il puisse y avoir quelque part caché. Un autre bonheur, plus grand? Non. Loin de tout ça, on sait pas où on est, mais en tout cas, on n'est pas sur vos listes. Oui, j'avais raison, est-ce que c'est de se lancer dans ces explications par le tort et à travers? On se met à dire plus qu'on ne pense, mais je t'aime bien, tu sais. Je le sens très fort dans des moments comme cela. Comme cela? Oui, comme maintenant. Quand tu t'es arrêté là, devant la fenêtre pour regarder
Avec ce regard que tu peux avoir, il y a chez toi, parfois comme un abandon. On dirait que tu te fonds avec ce que tu vois, que tu te perds dedans. Rien que pour ça, oui, rien que pour ça, tout à coup. Tu m'es proche, tu comprends? Tu comprends pourquoi je tiens tant à cet endroit? Pour moi, tu vois, la vie est là. Qu'est-ce que tu as? La vie est là, simple et tranquille. La vie est là, simple et tranquille. C'est de Verlaine, n'est-ce pas? Mais oui, c'est de Verlaine. Pourquoi? De Verlaine, c'est ça. Je n'ai pas pensé à Verlaine. J'ai seulement dit, la vie est là, c'est tout. La suite venait d'elle-même. Regarde, la vie est là. La vie est là. Rien que ça, la vie. Et tu reconnaîtras qu'avec le petit mur, le toit, le ciel par-dessus le toit, on y est en plein. Où donc? Voyons, dans le poétique, la poésie. Mon Dieu. Comme d'un seul coup, tout ressurgit. Juste avec ces guillemets. Quels guillemets? Ceux que tu places toujours, tous ces mots, quand tu les prononces devant moi. Poésie, poétique, cette distance. Cette ironie, ce mépris. Moi, je me moque de la poésie. Je parle avec mépris des poètes. Pas des vrais poètes, bien sûr. Oh là, pas de ceux que vous allez admirer les jours fériés sur leur socle, dans leur niche. Les guillemets, c'est pas pour eux, jamais. Mais c'est pour qui, alors? C'est pour... C'est avec toi que je les place entre guillemets, c'est bon. Oui, avec toi. Dès que je sens ça en toi, impossible de me retenir. Malgré moi, les guillemets arrivent. Voilà, je crois qu'on... Tu l'as touché. Voilà le point. C'est ici que la source des guillemets, c'est pour moi. Si je regarde par la fenêtre et que je me permets de dire la vie est là, et voilà aussitôt fermé à la section des poètes de ce qu'on place, entre guillemets. Comme tout à l'heure, devant la fenêtre, quand tu m'as tapoté l'épaule, c'est bien ça. C'est bien ça. Et oui, tu sais le dire aussi. En tout cas, l'insinuer, c'est bien ça. Voilà un bon petit qui sent le prix de ces choses-là. Comment ai-je pu oublier? Mais non, non, j'ai pas oublié. Je savais, j'ai toujours su. Su quoi? Su quoi? J'ai su qu'entre nous, il n'y a pas de conciliation possible, il n'y a pas de rémission. C'est un combat sans merci, une lutte à mort. Mais pour la survie, il n'y a pas le choix. C'est toi ou moi. Mais tu vas fort. Mais non. Non, pas fort du tout. Il faut bien voir ce qui est. Nous sommes dans deux camps adverses. Deux soldats de deux camps ennemis qui s'affrontent. Quel camp? Ils ont un nom? Ah non, non, ça c'est pour toi. C'est toi, c'est vous qui mettez des noms sur tout, qui placez entre guillemets, moi je sais pas. Eh bien moi je sais, tout le monde le sait. D'un côté le camp où je suis, celui où les hommes luttent, où ils donnent toute leur force. Ils créent la vie autour d'eux. Pas celle que tu contemples par la fenêtre, mais la vraie, celle que tous vivent. Et d'autre part, bien de l'autre, il y a les ratés. Je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, tu travailles. Oui. Juste pour me permettre de vivoter. Je ne consacre pas toutes mes forces. Tu en gardes? Je te vois venir. Non, non, je n'en garde pas. Si, tu en gardes. Tu gardes des forces pourquoi? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Pourquoi? Pourquoi bon s'acharner? Ce serait tellement plus simple pour chacun de nous, plus salutaire. La meilleure solution. Oui. Ou non.